Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 7 avril 2024. Il est 17h et j'ouvre la 14e vidéoconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème du jour est les anciens géants qui habitaient sur Terre et qui gouvernaient le monde. Je rappelle que toutes les informations que je communique dans les Galactiques 2024 sont strictement et uniquement de sources extraterrestres communiquées en noir sur blanc et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre Zen, conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, donc voilà 8 ans. L'histoire des géants est un mélange complexe de mythes, de légendes, de récits historiques et d'interprétations modernes qui continuent d'alimenter les questionnements sur notre histoire et notre passé. Selon l'histoire terrestre, la première mention des géants date de 1297 et apparaît dans la chronique de Robert de Gloucester. Il y a donc 727 ans, et l'intérêt pour ces êtres extraordinaires a persisté à travers l'histoire. Dans l'Antiquité, les géants étaient souvent associés à des dieux, des héros ou des créatures mythiques. Les titans de la mythologie grecque étaient des géants qui ont combattu les dieux olympiens. Dans la Bible, des personnages sont à la fois très grands et très âgés. Méthusalem avait 969 ans, Noé 950, Adam, le premier homme, 930, Abraham 175, Sarah, l'épouse d'Abraham, a vécu 127 ans et Moïse 120 ans. Et cela persiste jusqu'à nos jours puisque l'homme le plus vieux du monde, le super centenaire, est un Britannique, John Alfred Tenniswood, qui est âgé de 111 ans. Il est né à Liverpool le 26 août 1912. Il est décrit comme une vraie pipelette qui continue à gérer ses comptes bancaires et à se tenir informé des news tous les jours. Et le plus grand géant humain de tous les temps est Robert Wadlow, le géant de l'Illinois, qui détient le record du plus grand homme de l'histoire. Né en 1918 aux États-Unis, Wadlow mesurait 2,72 m à sa mort en 1940. Mais il y en a eu d'autres aussi, des humains très grands, des géants. 2,67 m, 2,64 m aux USA, 2,58 m en Autriche, une femme en Allemagne, 2,53 m, et en France, le géant des Vosges était Jean-Joseph Brice, né en 1925 et décédé en 1986. Il mesurait 2,45 m. Donc, même de nos jours, les géants ne manquent pas. La Bible fait également mention de géants appelés les Elohim et les Néphilim. Nous aborderons les Anunnaki avec Enki et Enlil, et les Elohim à partir de la semaine prochaine, les dimanches 14, 21 et 28 avril. On retrouve également les géants dans la littérature médiévale. Les récits de chevalerie et les contes populaires médiévaux ont souvent présenté des géants comme des antagonistes ou des épreuves pour les héros. D'un autre côté, et de manière peut-être plus pragmatique, les explorateurs européens ont rapporté des rencontres avec des individus exceptionnellement grands lors de leur voyage dans le Nouveau Monde. Les descriptions de géants varient selon les squelettes découverts dans les monticules funéraires en Amérique du Nord. En 1520, lors de son expédition européenne, les navires de Magellan ont navigué à travers un détroit qui porte depuis son nom, le détroit de Magellan. Il est situé à l'extrême sud du continent américain, entre la Patagonie et la Terre de Feu. Les habitants que Magellan et son équipage rencontrèrent
étaient des individus exceptionnellement grands par rapport à la taille des Européens. Antonio Pigafetta, qui est un chroniqueur italien du XVIe siècle, a participé à l'expédition lors du premier voyage autour du monde. Dans son récit, il décrit cette rencontre en disant: Mais un jour, nous avons vu un géant qui était sur le rivage. Il était si grand que le plus grand d'entre nous n'arrivait que jusqu'à sa taille et il était bien proportionné. En archéologie moderne, des découvertes archéologiques ont révélé des squelettes de grande taille dans diverses parties du monde qu'abordent trois auteurs américains. Richard Dewhurst, dans Les anciens géants qui dirigeaient les USA, qui a été maintes fois publié depuis 2013, ainsi qu'un tandem, Jim Vieira et Hugh Newman, dans le livre Les dossiers secrets des géants, publié en 2015. Ils affirment que pendant plus de 200 ans, de nombreux rapports de journaux, d'histoires locales, de lettres, de photos, de journaux intimes et de revues scientifiques ont documenté l'existence d'une ancienne race de géants qui vivait en Amérique du Nord. On dit que des squelettes extrêmement grands, mesurant 2,15 m à 5,50 m, ont été découverts dans des tertres préhistoriques, des chambres funéraires, des grottes et des champs de batailles anciens. Non seulement étaient-ils grands, mais ils avaient des anomalies anatomiques étranges, telles que une double rangée de dents et des crânes aux formes allongées à l'arrière. Bon nombre de ces découvertes ont été envoyées à l'Institut Smithsonian à Washington, D.C., et plus personne n'en a entendu parler après. Pourtant, les archives des rapports annuels du Smithsonian décrivent au moins 17 squelettes de géants. Les auteurs font état de milliers de squelettes de géants qui ont été découverts en particulier dans la vallée du Mississippi et que les découvertes s'étendent sur 400 ans. Et du complexe funéraire mégalithique de l'ère Stonehenge sur l'île de Catalina qui abrite plus de 4000 squelettes de géants, dont des rois mesurant plus de 2,75 m. Les trois auteurs révèlent non seulement que l'Amérique du Nord était autrefois gouvernée par une race avancée de géants, mais aussi que le Smithsonian est supposé avoir activement supprimé les preuves physiques depuis des siècles. Mais pour quelle raison? En tant qu'institution scientifique gouvernementale, le Smithsonian a suivi la convention narrative de l'époque. L'idée d'une race ancienne de géants ne correspondait pas à la vision dominante de l'histoire humaine. L'existence de géants remettait en question les récits historiques traditionnels. Les preuves de géants auraient pu contredire aussi l'idée que les premiers habitants de l'Amérique du Nord étaient des groupes de chasseurs-cueilleurs plus petits. Et il y avait aussi des intérêts politiques et institutionnels qui pouvaient également avoir joué un rôle. La suppression des preuves aurait pu servir à éviter les controverses, à protéger la réputation de l'institution et à maintenir son financement. Toutes ces versions sont des faits réels de notre histoire qui ont été interprétés au fil des siècles et qui ne sont plus maintenant que contes, mythes et mystères. Voyons maintenant ce qu'en disent mes contacts extraterrestres. Ils disent que la Terre a été visitée d'innombrables fois par des lignées extraterrestres qui y ont laissé leur influence et qui coexistaient librement. Parmi ces races, il y avait les Atlantes, qui viennent non pas de l'Atlantide, qui était d'origine reptilienne, mais du système solaire Atlas, dans la constellation du Taureau M45 et l'amas des Pléiades. Ce sont quelques-uns de ceux qui sont appelés des géants, et ils coexistaient avec d'autres races qui étaient également très grandes. Ceux qui sont représentés sur les tablettes sumériennes,
étaient apparemment des reptiliens représentés comme de grands hommes barbus. Cependant, les Atlantes des Pléiades ont également des barbes et une taille similaire, ce qui rend difficile de suivre et d'expliquer ce moment historique avec précision. Les Pléiadiens Atlantes mesurent de 2,50 m à 3 mètres de haut. Leur peau est de couleur cuivrée. Ils ont des cheveux et une barbe brune ou noire, des yeux bleus, verts ou marrons. Les Pléiadiens Atlantes, et non pas les Atlantes de l'Atlantis, ont influencé plusieurs zones d'Amérique du Sud. Leur dernière visite remonte à il y a 600 ans, dans la région qui est aujourd'hui le centre du Mexique, Tula Hidalgo, Atlantes, mais ils ne sont pas revenus depuis. Parmi les races présentes à cette époque, il y avait aussi les Pléiadiens de Céléano et des colonies andromédiennes qui s'étaient installées dans la région qui est aujourd'hui l'Inde et le Pakistan. Ces deux races étaient très grandes. Les Andromédiens font de 2,40 m à 2,70 m et tout autant que les Pléiadiens de Céléano. Ces races ont semé de nombreux concepts qui serviront, les Andromédiens notamment, qui serviront plus tard de base à l'enseignement du Bouddha. De nombreux dieux bleus, comme Shiva, étaient des extraterrestres et Shiva est encore vivant, d'après ce que m'a dit Zen. Ils étaient simplement des extraterrestres de la branche génétique d'Andromède qui a la peau bleue. De plus, les écritures, comme le népalais, sont préservées avec jusqu'à 90% de similitudes avec la symbologie et l'écriture de la langue moderne andromédienne extraterrestre. Plus récemment, dans l'actualité, pendant l'occupation américaine de l'Afghanistan, de 2001 à 2021, de fortes rumeurs se sont répandues à travers les réseaux sociaux, selon lesquelles des soldats américains étaient entrés dans des grottes profondes et avaient combattu des géants. Cela soutient l'idée que ces géants étaient des survivants de la Tartarie et qu'ils se sont retrouvés dans ces grottes parce que l'Afghanistan ferait partie de l'ancienne Tartarie qui s'étend vers la Mongolie actuelle. On raconte qu'ils avaient six orteils et une double rangée de dents. Et effectivement, certaines lignées extraterrestres ont six doigts et six orteils. Ils étaient roux et très sauvages. Les militaires américains les auraient emmenés sur deux hélicoptères CH-47 Chinook. Cet événement indique qu'il y aurait encore des géants survivants qui se cachent dans des bases souterraines appelées DOMS, Deep Underground Military Bases, comme celle de Dulce au Nouveau-Mexique, qui est en fait un laboratoire, un biolaboratoire militaire conjoint entre les humains de la Kabbale et les reptiliens appelés maîtres, qui eux également sont grands. Ils font entre 2,40 m et 3 mètres. On pourrait donc dire qu'une grande majorité de lignées extraterrestres sont grandes et susceptibles d'être considérées comme des géants et la source probable de tous les contes et les mythes sur Terre. Question de Franck. Des géants qui étaient en état de stase sur la planète Terre et qui s'étaient réveillés. Est-ce qu'ils se sont réveillés parce que la conscience des gens s'élevait? Est-ce que ça représentait justement un danger d'éveil plus grand pour l'humanité et que la Kabbale craignait? Je pense qu'ils se sont réveillés parce que les militaires sont entrés dans ces grottes. Ils étaient dans des capsules anciennes qu'ont ouvertes les militaires et par conséquent, ils les ont attaqués. Et effectivement, ils ne vont pas divulguer des informations de cette nature de manière officielle. Ça passe par des moyens privés, peut-être des militaires. J'ai vu moi-même la vidéo.
C'était des militaires qui filmaient la scène. On les voyait pénétrer dans cette grotte et ils ont filmé ce géant et la manière dont il était habillé. On voit qu'il est en stase. Je pense que le seul moyen que des informations comme celle-là parviennent au grand public est tout simplement parce que la vidéo qui a été faite par l'un des militaires a ensuite été publiée. Tout ce qui est gouvernement ne va certainement pas divulguer des informations comme celle-là parce qu'ils sont tous d'accord pour ne pas remettre en question l'histoire terrienne, ni d'ailleurs tout ce qui est conventionnel. C'est l'histoire qui est racontée et personne à ces niveaux-là n'osera le remettre en question. Vous vous rendez compte que si tout le monde savait qu'en fin de compte, on a une histoire véritable de géants qui contrôlaient une partie de la Terre, ça remettrait tout en question et ça remettrait en question aussi l'histoire de Jésus-Christ. Question de Guylaine. Il existe encore des géants dans des lieux fermés, sous la domination d'autres espèces. Ils vivent de quoi? Quel est leur espace de vie? Ils attendent quoi? Quel est le projet? Ils ne vivent pas sous le contrôle d'autres lignées. C'est une lignée à part entière qui vit dans des grottes. Et apparemment, d'après ce que racontait Zen, ces géants étaient des survivants de cette époque qui vivent encore de nos jours dans des grottes souterraines parce que la terre est comme un gruyère et donc ils occupent certaines grottes. Ils y vivent parce que certainement ils ont aussi une espérance de vie assez longue, comme par exemple les Andromédiens, c'est 5000 ans, les Turiens, c'est 10 000 ans, et même ils se reproduisent d'eux-mêmes, donc ils sont immortels. Donc c'est la même chose aussi pour ces géants, je suppose. Je ne pense pas qu'il y ait, enfin en tout cas, Zen ne m'a jamais parlé de programme ou de plan qu'ils auraient. Je pense qu'ils vivent simplement sur Terre parce que c'est leur planète. Ils nous ont même précédés, donc c'est leur planète, c'est tout simplement pour ça qu'ils vivent là. Question de Alain. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre ces géants et la base qui a été découverte sous le mont Bousségui, où les observateurs, les gens qui ont pu rentrer dans cette base, ont aperçu que tout était surdimensionné, c'est-à-dire les sièges, la hauteur de la table, etc. Est-ce qu'on peut faire une relation entre ces géants et la base du mont Bousségui? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que toutes les lignées extraterrestres qui ont habité ici sur Terre étaient toutes grandes. Ils faisaient tous entre eux, sauf les Arcturiens qui sont petits, ils mesurent 1,30 m, ou bien alors les petits gris qui mesurent 1,10 m. Toutes les autres lignées mesurent de 2,40 m à 3,50 m. Quelles que soient les lignées, ce sont tous des géants par rapport à nous. Par exemple, Magellan, c'était sa première réaction. C'était de dire que tous les Européens qui arrivaient dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire entre la Patagonie et la Terre de Feu, voyaient des géants et lorsqu'ils se mettaient à côté d'eux, les Européens n'arrivaient qu'à la taille. Donc les géants faisaient 2 fois la taille d'un Européen. Donc ces géants faisaient entre 2,80 m et 3,20 m peut-être. Et bien sûr, ils sont partout, puisque ce sont tous des lignées extraterrestres, toutes très grandes. En fait, ce dont nous parlons ici, ce sont de lignées extraterrestres, en partie celles que j'ai mentionnées dans ma présentation. Question de Guylaine. Est-ce qu'un jour ils vont se révéler parce qu'on cohabite sur la même planète? Ils vivent dans des espaces qu'on ne peut pas voir. Ils vivent sans soleil, mais ils se nourrissent de quoi? Est-ce qu'un jour on va les voir? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils se montrent? Ils sont très bien dans les grottes au sein de la Terre. Ils ont toute la lumière nécessaire. Ils sont éclairés par la luminescence. Ils ont des puits de lumière. Ils ont tout ce qu'il faut. Il y a des grottes qui sont immenses et qui font presque la taille de New York. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils viennent se mêler à la population sur Terre, qu'ils considèrent probablement très armés, nucléairement parlant? Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent vivre en surface? Ils sont très bien où ils sont. C'est leur pays, c'est leur planète. Nous sommes arrivés bien après eux. Et ils n'ont de compte à rendre à personne.
Question de Alain. Est-ce que les humains, lorsque la fréquence augmentera, vont devenir des géants? J'ai lu récemment quelque chose, c'était une expérience qui a été faite par un Nikola Tesla à Stockholm et à New York, dans lequel ils avaient augmenté les fréquences dans les lycées. Et le résultat de cette expérimentation, c'était que les enfants avaient 6 centimètres de plus, un petit peu plus intelligents, moins de maladies, enfin plein d'effets, entre guillemets, bénéfiques. Puisqu'on vit sous de basses fréquences, est-ce que un jour on deviendra des géants? Eh bien, tout à fait, c'est une très bonne question. En fin de compte, la fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire ce que la majorité des gens appellent la cinquième densité, dimension d'ailleurs, ils l'appellent, la cinquième dimension. Il n'y a pas de cinquième dimension, ce sont des fréquences. Les gens disent, on passe d'une dimension en 3D vers une dimension en 4D et en 5D, etc. Ces dimensions n'existent pas, ce sont des fréquences. Et vous pouvez déjà être en 5D si vous-même vous vous transformez et notamment en traversant le processus de l'illumination. Ce processus, qu'est-ce que ça fait? Ça libère des fréquences de la 3D. Et lorsqu'on est libéré de la 3D, comme par exemple lorsqu'on sort de la Terre, et qu'on voyage dans le cosmos et qu'on passe la bulle électromagnétique qui entoure la Terre, qui nous garde dans cette fréquence en 3D, mais on peut aussi en sortir, je veux dire, spirituellement parlant, on peut en sortir. Et lorsque l'on sort de cette bulle, on est en 5D. Or, qu'est-ce que la 5D si ce n'est la zone physique de toutes les lignées extraterrestres? La Lune est en 5D, toutes les autres planètes sont en 5D. Viera, cette immense biosphère andromédienne qui est cachée derrière la Lune, est en 5D. Dès qu'on passe en 5D, c'est comme si on était en stase dans une capsule holographique et les transformations qui s'effectuent lorsqu'on y est, c'est qu'on gagne 10 à 12 centimètres en hauteur. Donc, si vous faites par exemple 1,80 m, eh bien, vous ferez 1,90 m, 1,92 m. Vos cheveux vont pousser, vos ongles vont pousser. Vous verrez à 100%, donc vous recouvrerez la vue. Vous n'aurez aucune maladie et tout ce qui est en vous que vous avez accumulé sur Terre, par exemple les fumeurs, etc., tout ça se guérit systématiquement et vous revenez dans l'espace à l'âge de 17 ans. Si la Terre passe physiquement parlant en 50 Hz, voilà précisément ce qui va se produire. Mais pour que toute la Terre passe en 50 Hz, il faut que tous les terriens soient prêts. Si toute la Terre était mise en 5D, ça serait une révolution incroyable. Ceux qui sont prêts seraient déjà étonnés parce que la manière de percevoir lorsqu'on est en 5D est vraiment différente de la 3D. Et ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne connaissent rien de tout cela, deviendraient complètement fous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les 30% ou 40% de la population mondiale est prête à passer totalement en 5D en laissant derrière tout le reste des gens complètement fous? Alors, je pense que c'est une question de morale et d'éthique, et tout autant qu'une question physiologique, même pour ceux qui sont avertis, qui connaissent toutes ces idées, qui connaissent la vraie histoire de la Terre, eh bien, ça n'est pas facile, sauf si vous-même vous avez déjà voyagé de cette manière, physiquement parlant. Lorsque toute la Terre sera passée en 5D, tout le monde grandira, tout le monde deviendra un géant ou une géante. Question de Franck.
Les géants étaient des Agarciens, ou inversement, les Agarciens qui vivaient sous terre étaient forcément des géants. Car l'amiral Byrd, dans ses écrits, dans ses traversées, avait décrit qu'il avait découvert des fraises géantes, en fait, dans les cultures souterraines. Donc, est-ce que c'est réel? Alors, dans son journal, l'amiral Byrd a décrit pas mal de choses. Pas besoin d'avoir des géants humains pour manger des fraises géantes. Il y a des légumes poussent sur Terre qui sont énormes, même par rapport à la taille normale de ces légumes. Maintenant, est-ce que les Agarthiens étaient des géants? Je suppose que oui. Il faudrait que je vérifie dans mes tables de données le travail que j'ai fait avec Zen pour vérifier leur taille. Mais nous en parlerons lorsque je parlerai des Agarthiens qui avaient un siège au sein de la Fédération galactique des mondes ou la Fédération unie des planètes, comme on l'appelait à l'époque. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Question de Olivier. Est-il possible, en tant que Starseed incarné actuellement sur Terre, d'avoir un corps de géant en stase sur Terre? Et si oui, est-il possible de communiquer avec ce corps et de quelle façon? Oui, c'est tout à fait possible parce que, comme je vous l'ai indiqué, ces géants sont simplement des représentants de différentes lignées extraterrestres, dont certains vivent encore ici sur Terre. Maintenant, s'ils sont en stase, parce qu'il y en a certains qui sont en stase dans des bases militaires souterraines, ceux qui sont en stase et ceux qui sont vivants, vous pouvez communiquer de manière télépathique. Question de Guylaine. Oui, j'ai une question par rapport à la participation des géants pour les déplacements, les alignements des pierres, par exemple, que l'on voit sur la planète. Est-ce que les géants ont pu avoir une activité comme ça à un moment donné sur la planète, vu leur force et leur taille de déplacer des objets très lourds? Bien sûr, déjà, ils peuvent le faire à main nue, puisqu'ils ont une force qui est certainement 2 ou 3 fois celle de terriens. Mais aussi, il ne faut pas oublier, je sais que c'est très difficile à intégrer, que les géants sont les représentants de lignées extraterrestres qui vivaient ici. La majorité des lignées extraterrestres, les Lyriens, les Pléiadiens qui habitaient en Lémurie, tout autant que les Reptiliens qui habitaient en Atlantide, sont tous des géants. Donc les géants dont on parle sur Terre, ça n'est pas seulement ceux que vous connaissez et dont je viens de parler, que les militaires ont découvert, ce sont aussi toutes les anciennes lignées extraterrestres qui habitaient ici sur Terre. Les Lyriens dont nous sommes descendants sont des géants. Question de Lucie. Vous avez parlé tantôt de la Tartarie. Est-ce que vous allez en reparler dans d'autres ateliers ou si vous pouvez nous en glisser un mot? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai pas beaucoup de connaissances sur ça. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pouvez nous dire si vous pouvez aujourd'hui ou dans d'autres ateliers. Je ne pense pas que ça soit prévu en thématique. Je ne me souviens pas l'avoir prévu. Mais la Tartarie est une région qui couvrait une partie de l'Afghanistan, de l'Inde, du nord de la Chine et de la Mongolie. D'après ce que je sais, c'est que la Tartarie a été développée et elle a été construite par les francs-maçons. Et ensuite, il y a eu d'autres déluges, etc., d'autres choses qui se sont produites, qui fait que la Tartarie a été submergée et engloutie. Et il reste de très nombreuses traces des Tartariens, si on peut les appeler comme ça. Très nombreuses traces. Ils connaissaient déjà l'énergie libre. Dans toute leur ville, il y avait des récepteurs d'énergie libre, un peu comme avec les pyramides. Mais c'est une société, une civilisation qui est postérieure à l'Égypte. Question de Martine. On parle toujours de géants, mais je suppose qu'il y avait beaucoup de géantes et qu'ils se reproduisaient.
Est-ce que vous avez eu connaissance sur leur mode de procréation? Je répète encore une fois, je sais, c'est difficile. Les géants sont les populations extraterrestres qui vivaient sur Terre. Ce dont on parle dans les contes, les mythes, la Bible, ce sont les squelettes de lignées extraterrestres, des populations extraterrestres qui habitaient sur Terre. Donc, ils étaient des millions en termes de nombre et ils vivaient à la surface. Ceux qui restent maintenant, ils se cachent certainement dans ces grottes parce qu'ils ne veulent pas vivre en surface. Question de Lucie. Est-ce que les Bigfoot sont considérés comme des géants? Alors, c'est une lignée extraterrestre, les Bigfoot. Ils sont grands, mais ils ne font pas partie de ce qu'on pourrait appeler les géants, qui sont plutôt de type humanoïde. Donc, les Bigfoot sont des extraterrestres qui ont été amenés ici sur Terre et qui vivent depuis. Question de Alain. Est-ce qu'à l'opposé des géants, il y aurait des petits êtres sur Terre? Bon, c'est pas tout à fait le sujet du jour, mais bon, on peut envoyer ça pour un autre webinaire. Bien sûr qu'il y a de tout petits êtres, tout comme il y a des géants, il y a de tout petits êtres extraterrestres aussi. Donc, par exemple, on pense tout de suite aux elfes et aux petits personnages qui habitent aussi la terre ou des grottes et qui sont aussi, on va dire, des lignées presque extraterrestres, même s'ils vivent ici sur Terre. Question de Guylaine. Qui est au courant de façon claire hein, quel type de pays? Est-ce que c'est beaucoup de pays qui sont au courant ou qui détient ou qui connaît cette présence et cette existence? Les Américains qui étaient en Afghanistan les ont découverts, mais je pense qu'ils étaient déjà au courant. Tous les pays ne sont pas forcément au courant de tout ce qui existe au niveau extraterrestre, parce que cette connaissance est aussi un pouvoir. C'est un pouvoir par rapport à la connaissance, c'est un pouvoir aussi par rapport aux technologies qui sont échangées avec les extraterrestres, mais beaucoup, ça se passe beaucoup aux USA. Mais il y en a énormément en Chine aussi. Donc pour l'instant, tout cela a été vraiment très très bien caché au point que les populations découvrent tout ça et ont du mal à y croire. Vous voyez, vous pensez aux géants comme étant des géants terriens, mais ces géants, c'était des lignées extraterrestres, c'était des personnes extraterrestres. Je dirais que les plus grands gouvernements du monde connaissent cet état de fait. Ça veut dire aussi qu'ils sont au courant que l'histoire de la Terre ancienne était extraterrestre et que les terriens, c'est-à-dire toutes les lignées extraterrestres qui habitaient à cette époque-là, qui sont nos ascendants, étaient interstellaires et avaient des technologies que nous n'avons pas retrouvées depuis. Question de Franck. Oui, je voulais savoir, en fait, si dans les premiers temps où les géants sont venus sur Terre, c'est vrai qu'ils avaient leur taille définitive, très grand. Mais de génération en génération, est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu en taille pour s'adapter justement au microcosme de la Terre, qui était peut-être beaucoup plus petite par rapport à leur planète d'origine? Je pense en fait à l'île de la Réunion, qui sont très petits en fait en taille, parce qu'ils se sont adaptés au microcosme de l'île notamment. Est-ce que voilà, ce raisonnement ne peut se prendre également pour les géants? Je pense que c'est à la fois une question d'adaptation au biotope et à la Terre, et surtout la Terre en 3D, en 783, mais c'est aussi une question de génétique, parce que vous avez des pygmées aussi, qui sont très petits, en Australie et dans d'autres régions du monde. Mais il est vrai que lorsque l'on regarde la Bible, et si on pense que la Bible est aussi un peu un miroir
bien que quand même assez éloignée de la réalité, mais un miroir de cette réalité de l'époque. On passe de 969 ans jusqu'à Moïse qui passe à 120 ans. Donc il y a une très grande différence entre 969 et 120. Et au fil du temps, comme vous le dites, la génétique et la taille s'est adaptée à la fréquence de la Terre. Question de Alain. Dans une civilisation précédant la nôtre, est-ce qu'il y a eu des très grands géants, des très grands arbres, des très grands champignons, des géants plus que 5 mètres, etc.? Oui, la réponse est oui, il y en a eu, et d'ailleurs, il y a encore des troncs qui sont visibles dans certaines régions du monde où on voit que c'est un arbre qui a été coupé, et la circonférence de cet arbre fait, je ne sais pas, des kilomètres. Donc oui, il y a eu des géants qui étaient très grands, beaucoup plus grands que 2,70 m, je pense. Voilà, bonne soirée, merci pour votre présence et vos questions, et on se revoit dimanche prochain.